Vous êtes l'évadé du camp. Je ne sais pas comment vous êtes venu jusqu'à nous, mais ici, vous ne risquez rien. Dobra. Merci. La battue a porté ses fruits? Non, toujours rien. C'est un drôle d'animal. Il est malin. Finira bien par se laisser rattraper. Il serait plus facile de l'abattre que de le capturer. Réfléchissez un peu. En tuant, on éradique, certes, mais on ne fait pas avancer notre cause. Pour moi, tout ce qui est nuisible devrait disparaître. Reprenez la traque. Vous savez où vous devez aller chercher. Je vous fais confiance. Allez! Te fous pas de ma gueule. Tu sais très bien pourquoi je suis ici. Ce type est dangereux. Il y va de notre sécurité. La sécurité, à mon âge, c'est de se laisser glisser lentement vers la porte de sortie. Pas pour toi. Moi, ça peut te surprendre, mais je pense à l'avenir. Je vois, Charles, je vois. Avec ça, et en brûlant les livres. Si nécessaire. Puis si tu ne collabores pas pour toi, pense à ta fille. J'y pense souvent, moi, à ta fille. À Thomas Survin. Non, Charles, non. Ce sont les idées ou les gens que tu séquestres ou fais disparaître qui te font jouir. Sors de chez moi. Je suis fatigué. Ta seule présence me rend malade. Tu le regretteras, Edmond. Bientôt. Très bientôt. Il est où? Il est chez moi, en haut. Françoise s'occupe de lui. Il y a longtemps qu'il est chez toi? Presque 4 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il le cherche partout. Est-ce que quelqu'un d'autre sait qu'il est chez toi? Seulement ma fille. Mais il est très mal. Et il délire. Je viendrai cette nuit avec le docteur. Laisse ouvert en bas. Dès qu'il ira mieux, nous l'amènerons jusqu'au cratère. Je suis sûr que Dieu sera avec nous et que nous le sauverons. Ton Dieu doit avoir aussi peur que nous. Pour une fois, laisse-le endurer tout ça. Nous avons renforcé la protection aux frontières et celle du camp pour ne pas qu'il y ait d'émeutes. Bien sûr, Madame la Présidente. Le plus tôt possible. Indications que vous fallait. Merci. J'ai peur. Je sais. Mais on a tous peur. Tout ça est arrivé si vite. Attends, moi aussi j'ai quelque chose pour toi. Regarde, ça c'est au collège, il y a longtemps. Ça c'est moi, ça c'est ta mère. Comme elle est belle. Merci. Maintenant, rentre vite. Il ne faut pas qu'il te voie. Sois prudente. Adieu. C'est une photo de maman? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça?
Lâche ça. C'est pour ça que tu me caches et me séquestres. Parce que je lui ressemble. C'est ça la cause. La supériorité naturelle. Le parti ne te pardonnerait pas mon existence. Pose cette arme. Ils savent tout, papa. Et demain, ils seront libres. J'ai tout piraté, tout détourné. Et je leur ai tout livré. Tu vois, je sais moins de qui tenir en matière de manipulation. C'est sûrement Dieu lui-même qui a voulu que ça se déroule ainsi. Et nous ne sommes pas chargés d'aller contre sa volonté, Richard. Avec tout le respect que je vous dois, Monseigneur, je n'imagine pas un seul instant que Dieu se soit érigé en défenseur de cet ordre qui prône la souffrance, la barbarie et la discrimination, soi-disant pour le bien de l'humanité. Que savons-nous de l'humanité, du bien ou du mal? Mais Dieu n'a rien voulu de tout cela. Ses volontés ou ses châtiments nous dépassent. Redevenons des êtres humains, avant qu'il ne soit trop tard. Restons-en là. Allez en paix. Oui, allez en paix. Pardon. Au ministère de l'Intérieur. Oui, Monseigneur. Nous aurions préféré que les choses se passent autrement. La présidente est désolée de la mort de votre père. Mais sans vous incriminer, vous avez mis son cœur à rude épreuve. Quant au prêtre, il est parmi les siens, avec ceux qui souffrent. S'en prendre ainsi à la cause, ce n'était pas raisonnable. Puis-je partir maintenant? Nous cherchons toujours le meneur évadé. Prenez garde à vous, il est dangereux. Ce doit être terrible de contribuer à l'agonie du monde, en faisant croire à sa résurrection. Je vous plains. L'agonie du monde n'est pas votre affaire. Je comprends votre angoisse. Et si ce monde vous fait peur, quittez-le. Vous n'aimez donc rien ni personne. L'amour, c'est comme un appendice. Il suffit d'un coup de scalpel. Moi, j'ordonne et je défends. Allez. Dorénavant, plus de compromis. Nous l'éliminerons. Lui et tous ceux qui l'ont aidé. Transmettez le message. Karl ! Suivez-la et tuez-les. Tous les deux ? Oui, tous les deux. Nous avons été assez patients. Ils encerclent la ville. Ils ont déporté tous les prisonniers dans un autre camp près de la frontière. Il faut que je parte. Je dois rejoindre la tour des fleuves. Et si je passe la frontière, alors là, tout est possible. Tu es encore faible, reste encore quelques jours. Je dois arrêter ce cauchemar, tout le monde a peur. Je dois tenter le tout pour le tout, comme vous dites. Est-ce que tu veux venir avec moi? Oui. Alors on partira dans 3 jours. Ils sont partout, on ne pourra pas passer. On essaiera... Par le port vieux. Tu penses qu'il y a un espoir par la mer? Je ne sais pas. Mais c'est toujours vers la mer qu'il faut aller.
même si elle ne te sauve pas. Alors on fera comme ça. Femme a-t-elle mieux, monsieur le Premier ministre? Elle se remet doucement, mais ça ira. Je tiens à vous féliciter, Déborah, pour vos dernières actions. Surtout en ce qui concerne ce nouveau système de projection intraneuronale, monsieur. Juste un travail sur les axones, pour les camps de réfugiés. Oui, oui. C'est remarquable. Barbara, bonjour. Déborah était justement venue me faire un compte-rendu de ses dernières actions. Bien sûr, Anton. Certaines choses n'attendent pas un conseil de ministre. As-tu bien dormi, chérie? Votre voiture est prête, monsieur le Premier ministre. Allons-y, Déborah. Peut-on aller en bord de mer ce soir? Ce soir, je suis très occupée. Et puis la mer est si loin, tu sais bien. Au revoir. J'avancerai, même si je t'en...